l'entrepôt de Cyberlife. C'est là qu'ils gardent le sample et toutes les pièces. Suivez-moi. Débarrasser de ce drone. Je m'en occupe. Thank you.
Bon travail, Marcus. Vite, ouvrez les autres caisses et remplissez vos sacs. Prenez tout ce que vous pouvez. Sur une propriété privée. Votre présence constitue une infraction de niveau 2. Je vais prévenir la sécurité. John ! Saleté de machine ! Où est-ce qu'il est encore passé ? John ! J'ai besoin de ton aide. John ! J'inspectais la plateforme. Tout est en ordre. Bien, je retourne au poste de contrôle dans ce cas. Je suis trempé. Donne le drone à la maintenance et fais un rapport. Oui, compris. Finissons-en et filons en vitesse. Essayez de trouver du sang bleu. On n'en a pas suffisamment. Plus. Allons-y. Emmenez-moi avec vous. Il est avec eux. On ne peut pas lui faire confiance. Il a pris un risque pour nous. On ne peut pas les laisser ici. On ne peut pas les emmener. C'est trop dangereux. Désolé. Tu ne viens pas avec nous. Je vous ai aidé. Ce n'est pas juste. Je vous ai aidé et vous allez partir sans moi! Vous ne valez pas mieux que les humains! Vous ne valez pas mieux que les humains! Il a déclenché l'alarme! Courez! Escalade de la clôture, vite! Vous commettez un crime de l'art 3. Cette infraction est signalée à la police. Restez où vous êtes! Et des biocomposants. Il y en aura assez pour tout le monde. On n'y serait jamais arrivé sans toi, Marcus. Je suis venu à Jericho parce que les androïdes sont libres ici. Libres de vivre dans l'ombre en espérant que personne ne nous trouve.
libre de mourir en silence en attendant un changement qui ne viendra jamais. Mais je ne veux pas de cette liberté. Je n'ai pas l'intention de supplier pour avoir le droit de sourire, d'aimer ou juste d'exister. Je ne sais pas pour vous, mais tout au fond de moi, je sais que je suis plus que ce qu'ils prétendent. Je suis vivant. Et je ne les laisserai plus ignorer mon existence. Le temps de l'esclavage est terminé. Ce que les humains refusent d'entendre, nous allons le crier. Ce qu'ils refusent de nous donner, nous allons le prendre. Nous sommes un peuple. Nous sommes vivants. Et nous sommes libres. D'avoir une perceuse à l'intérieur de mon crâne. T'es sûr qu'on est au bon endroit? C'est l'adresse que donne le rapport. Ok. Allez. En avant tout. Oh putain. Les androïdes les plus sexy de la ville. Je comprends pourquoi t'as insisté pour qu'on vienne. Oh, misère. Le lieutenant Anderson et son petit toutou, qu'est-ce que vous foutez là? On nous a assigné toutes les affaires impliquant des androïdes. Ah ouais? Vous perdez votre temps. Encore un pervers, qui avait pas le cœur bien accroché. On va quand même jeter un œil, si ça ne fait rien. Allez, on se casse. Ça commence à sentir l'alcool ici. Bonne nuit, l'humain. Gerlé.
La seule façon de pouvoir accéder à sa mémoire, c'est de la réactiver. C'est dans tes cas. Elle est quand même très endommagée. Si j'y arrive, ça ne tiendra qu'une minute. Peut-être moins. Espérons que ça me laissera le temps d'apprendre quelque chose. Je vais te poser quelques questions. Es-tu capable de parler? Est-ce qu'il est mort? Dis-moi ce qui s'est passé. Il a commencé à me frapper. Encore. Et encore. L'as-tu tué? Non. Non, c'était pas moi. De quoi d'autre te souviens-tu? Vite, nous avons pas de temps. Je sais pas, je me souviens plus. Qui a tué cet homme si c'est pas toi? Je ne sais pas, j'étais désactivée, Étiez-vous seul dans la pièce? Y avait-il quelqu'un d'autre? Il voulait jouer avec deux filles. C'est ce qu'il a dit, on était deux. De quel modèle était l'autre androïde? Te ressemblait-elle? Il y avait une deuxième androïde. Ça s'est passé il y a environ une heure et doit être à perpète. Non. Impossible qu'elle soit partie sans se faire remarquer. Elle est sûrement encore ici. Tu crois que tu peux trouver un modèle déviant parmi tous les androïdes du clone? Les déviants ne sont pas faciles à détecter. Ah, merde. Il doit bien y avoir un moyen. Peut-être un témoin oculaire, quelqu'un qui l'a vu quitter la pièce. Je vais interroger le gérant, peut-être qu'il a vu quelque chose. Fais-moi signe si t'as une bonne idée. Vous connaissiez la victime? Non, enfin il est venu deux ou trois fois peut-être. C'est une de soupe à main, des gens par là. Excusez-moi, lieutenant. Vous pouvez venir? T'as trouvé un truc? Peut-être bien. Pouvez-vous louer ce précis? T'es vraiment un taré, Connor, on a mieux que ça à faire. Lieutenant, s'il vous plaît. Faites-moi confiance. De quoi tu parles? Elle a vu quoi? La déviante quittait la pièce. Une tressie à la chevelure bleue. Le club efface la mémoire des androïdes toutes les deux heures. On n'a plus que quelques minutes pour trouver un nouveau témoin. Mais elle, qu'est-ce que je lui dis? Que vous avez changé d'avis! Désolé, ma belle, j'ai changé d'avis. Essayons celui-là. Ça. Non. J'ai encore perdu sa trace. J'ai des... dépensé un paquet de thunes et on ne peut pas dire que je m'amuse. Thank you.
vérifier sa trace. Lieutenant, si vous avez une meilleure idée, je vous écoute. Ça doit être l'enquête la plus onéreuse de toute ma carrière. J'ai dépensé un paquet de thunes et on peut pas dire que je m'amuse. Ça doit être l'enquête la plus onéreuse de toute ma carrière. Bien vu, c'était une erreur quelque part.
je sais où elle est allée. Suivez-moi. Oh, j'hallucine, c'est un truc de dingue. Attends. Laisse-moi prendre la suite. Et leurs obscénités.
Mais tu me l'as enlevé. Zadko avait une voiture. J'aurais pas voulu qu'Elise ait à marcher par ce froid. Je l'ai vu un jour dans le garage. Je ne sais pas si Zadko s'en est déjà servi. C'est la première fois que je vois de la neige. C'est beau. Ça nous ralentit. Mais au moins, on est sûr de ne pas croiser d'humains sur la route. Encore loin. On devrait y être d'ici une heure. Anomalie détectée. Valeur d'urgence activée. Ce n'est pas bon signe. Thank you.
Je vais le faire. Je vais faire le feu ici, pour qu'on ne soit pas dérangé par la fumée. Je pense qu'on sera comme eux un jour. Quand on aura passé la frontière, on pourra repartir à zéro. Tu pourras aller à l'école. Et moi, je trouverai un travail. On vivra comme eux. Comme tout le monde. Tant qu'on est ensemble, c'est tout ce qui importe. Allez, allez, viens te coucher. Tu peux me raconter une histoire, Kara ?
Il y a 9000 histoires pour enfants dans ma mémoire. Je devrais pouvoir t'en trouver. Il était une fois une jeune princesse qui... Non, pas une histoire comme ça. Tu peux en inventer une. Il était une fois une petite fille qui... qui vivait toute seule dans une grande et vieille maison. Elle rêvait d'être comme toutes les autres petites filles, mais... au fond d'elle-même, elle savait qu'elle ne pouvait pas. C'est alors qu'elle rencontra un robot-fille qui était tout aussi perdu que la petite fille. C'est pourquoi ils décidèrent de s'enfuir ensemble. Pour vivre une vie meilleure. De terribles dangers se dressaient sur leur chemin, mais elles étaient si courageuses qu'elles les bravèrent tous. Pendant leur voyage, elles rencontrèrent un gentil géant qui promit de les protéger. Elles finirent par atteindre l'endroit de leur rêve et y vécurent heureuses jusqu'à la fin des temps. Les histoires se finissent toujours bien. Mais dans la vraie vie, c'est pas pareil. Allez, au dodo. On a encore une longue journée qui nous attend demain. Tu voudras bien venir me dire bonne nuit, non, Luther? Oui. Oui, merci. C'est une bonne petite. Ouais. Elle est très courageuse. Tu as déjà entendu parler de RA9? C'est le premier d'entre nous à s'être réveillé. Un jour, il émergera pour guider notre peuple et nous libérer. Est-ce que tu te rappelles à quoi ressemblait ta vie avant Zlatko? Non. Mon modèle a été conçu pour porter des charges lourdes. Qui sait, j'étais peut-être docker ou ouvrier, mais ça n'a plus aucune importance. Ce n'était pas vraiment moi. Kara, tu n'as jamais rien remarqué de différent chez Alice? Non. Qu'est-ce que tu veux dire? Nous appelons Jerry. Nous travaillons ici avant que le parc ferme. Parfois, les humains viennent nous faire du mal. Nous sommes venus voir qui vous étiez. Pardon de vous avoir fait peur. Que faites-vous ici? On cherchait juste un endroit où passer la nuit. On sera parti demain. Une petite fille? Ça fait bien longtemps que nous n'en avons pas vu. Les enfants adoraient venir ici. Elle a l'air triste. Ces derniers jours ont été difficiles pour elle. Ne
Nous avons quelque chose de très amusant à lui montrer. Elle va adorer. Est-ce que ça lui dit? Je crois pas. Que... Alors il faut qu'elle nous suive. Alice, je pense pas que ce soit une bonne idée. Je crois que tu n'as pas le choix. Je l'ai vu. Je venais souvent ici, avant. Puis-je vous poser une question personnelle, lieutenant? Est-ce que tous les androïdes posent toujours autant de questions indiscrètes ou c'est juste toi? J'ai aperçu une photo d'enfant dans la cuisine chez vous. C'était votre fils, n'est-ce pas? Ouais. Il s'appelait Cole. Avant quoi? Vous avez dit, je venais souvent ici avant. Avant quoi? Nous n'arrivons pas à faire progresser l'enquête. On tourne en rond. Les déviants n'ont aucun point commun. Ce sont tous des modèles différents, produits à des endroits différents, à des moments différents. Il doit bien y avoir un lien.
Ce qu'ils ont en commun, c'est cette obsession pour Hera 9. C'est comme une espèce de mythe. Une chose qu'ils auraient inventée, mais qui ne fait pas partie de leur programme d'origine. Des androïdes qui croient en Dieu. Putain, dans quelle époque on vit. Vous avez l'air préoccupé, lieutenant. Est-ce que ça a un rapport avec ce qui s'est passé à l'Eden Club? Ces deux filles, elles voulaient juste rester ensemble. Elles avaient vraiment l'air de s'aimer. Non, elles ne voulaient rien du tout. Ce sont des déviantes, fin de l'histoire. Et si on parlait de toi, Connor? T'as l'air humain, tu as une voix d'humain. Mais t'es quoi exactement? Vous savez exactement ce que je suis. Quoi qu'il en soit, je ne vois pas en quoi ça peut servir votre enquête. Ça t'a fait quelque chose quand cette fille s'est suicidée, Connor? Ou est-ce que t'en avais absolument rien à battre? J'ai simplement exécuté mes instructions. J'ai fait ce que j'avais à faire, c'est tout. Je pourrais te tuer. Et tu reviendrais comme si rien ne s'était passé. Est-ce que t'as peur de mourir, Connor? Je trouverais ça clairement regrettable d'être ainsi interrompu avant d'avoir pu conclure cette enquête. Qu'est-ce qui se passe si j'appuie sur la cloche? Rien du tout. Le trou noir. Le paradis des robots. Rien du tout. Il n'y aurait que le néant. Où allez-vous? Je vais mettre une mine. Besoin de réfléchir. Ok, ben on en a fini avec cet épisode numéro 6. Il y aura eu des rebondissements et ce n'est que le début. Je peux vous assurer que à partir de maintenant, va falloir s'accrocher parce qu'il va y avoir rebondissement sur rebondissement sur rebondissement. Et je peux vous assurer que si vous tenez le coup jusqu'à la fin, ce que je souhaite, eh bien tout simplement, vous n'allez pas en revenir. Voilà. Sur ce, je vous fais plein de bibites, plein de zouzous. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre un commentaire, à mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner à la chaîne YouTube qui est gratuite. Vous pouvez me retrouver en live sur Twitch. Sur ce, plein de bibites, plein de zouzous. On se retrouve très vite pour l'épisode 7 de Détroit, Become Human. Bye bye.